Bonjour mesdames et messieurs, l'information du 13h. Au sommaire, la communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de la lutte contre le cancer. À ce propos, vous suivrez quelques généralités sur la maladie et les facteurs qui prédisposent au cancer avec un spécialiste des maladies du sang. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé au lancement officiel de la plateforme web de gestion des centres d'accueil et de protection des enfants. Et puis la centrale syndicale tunisienne a protesté contre l'arrestation de l'un de ses responsables. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de votre aimable attention. Ouvrons ce journal par une brève. À travers un communiqué, le ministre du cadre de vie et de développement durable, José Tonato, informe que la portion de domaine public maritime de la bande allant du Carrefour Togbin à Adokun doivent être libérées à compter du lundi 6 février 2023. C'est dans le cadre des travaux d'aménagement urbain de Togbin et de la plage de Fidjrousset, section Marie Stella à Dokun. Selon le ministre José Tonato, les occupants concernés, notamment les promoteurs de bars et les groupements de pêcheurs réinstallés, avaient déjà bénéficié d'un moratoire de 3 mois qui est arrivé à échéance. Le ministre du cadre de vie compte sur la collaboration et le sens patriotique de chacun pour le bon démarrage des travaux. La communauté internationale va célébrer aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. En prélude à cet événement, nous vous proposons quelques généralités sur la maladie et les facteurs qui prédisposent au cancer. Suivez ici les explications du docteur Romaric Massy, hermatologue spécialiste des maladies du sang, sur les symptômes de la maladie. Nous avons plusieurs types de cancers de sang. Nous avons des cancers de sang, mais vraiment foudroyants, comme la leucémie aiguë, qui est une maladie, mais vraiment une maladie foudroyante. Et la leucémie aiguë peut exister sous deux formes, la leucémie aiguë lymphoblastique et la leucémie aiguë myéloblastique. Nous avons également ce que nous appelons les lymphomes. Ce sont des cancers qui sont développés plutôt aux dépens de cellules un peu plus matures, que nous appelons les lymphocytes. Nous avons ce que nous appelons le myélome multiple, qui est un cancer potentiellement du sang, mais qui ronge les os et qui va donner beaucoup de douleurs au niveau des os. Maintenant, en ce qui concerne les manifestations, alors, je veux partir des plus fréquents. Lorsque vous parlez de cancer, vous avez une multiplication anarchique des cellules. Et lorsqu'on prend par exemple la leucémie aiguë, c'est au sein de l'usine qui doit fabriquer les cellules du sang qu'une cellule va devenir folle et va se multiplier de façon anarchique à une très grande vitesse. Et donc, les cellules cancéreuses vont boucher l'usine. Du coup, l'usine n'est plus en mesure de produire correctement les cellules du sang. Or, chaque cellule du sang a un rôle bien précis. Les globules rouges, par exemple, ont pour rôle de transporter l'oxygène. Donc, une personne qui souffre d'un cancer du sang, notamment d'une leucémie aiguë, va avoir l'anémie qui va se manifester par la pâleur. Donc, il va devenir pâle, il va devenir de plus en plus fatigué. Quand il monte les escaliers, il est essoufflé, donc il est anémié. Deuxième groupe de signes, c'est le signe lié aux globules blancs. Lorsque l'organisme n'arrive plus à produire suffisamment de globules blancs compétents, le système immunitaire de ce sujet va être fragile. Donc, les infections vont venir à répétition et donc cette personne va présenter une fièvre inexpliquée et qui va perdurer dans le temps. Troisième groupe de signes, c'est les signes hémorragiques. Parce que le troisième type de cellules qui est dans le sang, c'est les plaquettes. Et les plaquettes ont pour rôle d'arrêter les saignements. Lorsqu'on se blesse, les plaquettes doivent arrêter les saignements. Et donc, si l'organisme n'arrive plus à produire correctement les plaquettes, le sujet va être exposé à faire des hémorragies. Donc, saigner dans le nez, saigner lorsqu'on se brosse les dents, saigner dans les urines, avoir du sang dans les selles. On peut saigner de partout, même sur la peau, on peut saigner. Il y a d'autres signes qui vont encore mieux nous orienter. C'est l'apparition des ganglions. Vous avez quelques ganglions qui peuvent apparaître, notamment au niveau du cou, notamment au niveau des aisselles, et qui vont augmenter en nombre et en taille assez rapidement. Et là, ça doit attirer notre attention. Un ganglion qui perdure dans le temps, qui augmente de volume et qui se multiplie, ce n'est pas toujours un signe d'infection, c'est peut-être un signe de cancer.
Parfois, lorsque vous voyez correctement la personne, vous regardez dans son ventre, du côté gauche, vous avez une structure qu'on appelle la rate, qu'on ne devrait pas retrouver normalement, mais qui, à cause du cancer, va sortir de ses loges. Et donc, vous allez avoir une grosse rate. Dans certaines régions, ils appellent ça gbagbla. On fait des scarifications à ne pas en finir. C'est peut-être un signe authentique en rapport avec un cancer. Et puis, plus généralement, la personne est vraiment fatiguée. C'est ce qu'on appelle une altération de l'état général. Voilà un monsieur, voilà un enfant, voilà une dame qui était très bien il y a quelques semaines et qui subitement devient très fatigué, ne peut plus rien faire. Donc, altération de l'état général. Parfois également, on a des douleurs osseuses, des douleurs articulaires qui vont faire très mal et parfois vont prêter à confusion, surtout chez les enfants, avec les cris de drépanocytose, alors qu'il ne s'agit pas du tout de cris de drépanocytose. À présent, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé jeudi à Cotonou au lancement officiel de la plateforme web de gestion des centres d'accueil et de protection des enfants. Objectif, rendre ces centres conformes aux normes et standards et permettre au ministère de mieux les suivre. Améliorer les conditions de vie des enfants en situation difficile accueillis dans les différents types de centres d'accueil et de protection des enfants KPE en République du Bénin, tel est le but de la plateforme ainsi lancée. Réalisée avec le soutien technique et financier de l'UNICEF, cette plateforme est une innovation technologique et sociale qui présente de nombreux avantages. Cette plateforme numérique est une innovation technologique qui apporte un changement dans le modèle de gestion des KPE, en permettant de réduire les délais entre les demandes d'ouverture adressées à l'administration et la réponse, puis de gérer la complexité dans le traitement manuel des dossiers. Une innovation sociale aussi, parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à des besoins jusqu'à présent mal satisfaits, en offrant un accès libre et continu 24 heures sur 24 au grand public. Un moyen aussi efficace pour assainir le milieu de protection des enfants qui nous concerne tous et toutes dans les institutions, à travers un suivi plus rapproché des CPS et de la DFEA en passant par les directions départementales. Et enfin, un moyen de préservation des documents pour une longue durée sur des supports numériques dupliqués à plusieurs endroits. La mise en place de cette plateforme de gestion des KPE, résultat d'un long processus, vise à corriger le constat selon lequel les promoteurs des KPE n'arrivaient pas à assurer à chaque enfant un environnement toujours protecteur requis, ni l'assurance d'une réintégration sociale. La mise en place et le lancement de cette plateforme web répond à un diagnostic pluriel. Il fera conjuguer au passé les multiples plaintes des promoteurs concernant le manque d'appui de la part de l'État, la durée du processus, les pertes de dossiers, etc., il permettra aux promoteurs et aux gestionnaires des KPE de pouvoir s'inscrire en sécurité pour obtenir leur autorisation d'ouverture, de tenir le pari des deux sessions annuelles du comité qui a la charge de l'étude des dossiers, d'assurer une meilleure qualité de cette opération en même temps que la qualité des prestations et services aux enfants. La plateforme permettra à l'État de connaître la situation des structures afin de mieux organiser ses interventions auprès d'elles, de mettre à jour la liste des structures reconnues que tout le monde pourra consulter et de favoriser la fermeture définitive de tous les centres qui trichent et qui mettent en danger la vie de nombreux enfants par une pratique illégale et illicite de la protection de remplacement au Bénin. La ministre a promis de combattre avec la dernière rigueur tous les centres qui jouent avec les normes et les standards, mettant ainsi en danger la vie et l'avenir des enfants. Le bilan de la mise en œuvre du PAG dans le secteur de l'eau, des mines et des hydrocarbures était au cœur d'un atelier. Le lancement du dit atelier présidé par le ministre de l'eau et des mines a été couplé avec le lancement du budget exercice 2023 du ministère. Clémence, tourne au coin pour le compte rendu. Faire le bilan du chemin parcouru et identifier les éventuels goulots d'étranglement afin de procéder aux ajustements nécessaires à l'atteinte des objectifs assignés au ministère de l'Eau et des Mines d'ici septembre 2025, tel est le but de cet atelier. Pour réussir l'exercice, le ministre Samusi Idoua Dambi a jugé opportun de rappeler les missions assignées à son ministère dans le programme d'action du gouvernement.
Le gouvernement a prévu dans le secteur, dès 2016, d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous. Cette noble ambition, qui cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable en son numéro 6 des Nations Unies consacré à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à la gestion durable des ressources en eau, s'est concrétisée au cours du quinquennat 2016-2021 par la mise en œuvre d'importantes réformes et l'exécution de plusieurs projets, aussi bien dans la gestion intégrée des ressources en eau que dans la mobilisation et la distribution de l'eau potable en milieu rural et urbain. Dans le secteur des mines et des hydrocarbures, secteur aux énormes potentialités, des projets ambitieux ont été programmés dans le cadre du PAG en vue de mieux connaître les ressources du sous-sol et de les valoriser. Le ministre a également dévoilé les grandes lignes des actions entamées ou déjà réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, avant de mettre en exergue la nécessité de poursuivre la mise en œuvre de ce programme. Il s'agit, entre autres, dans le domaine de l'eau, l'achèvement des études techniques relatives aux travaux de réalisation des piézomètres, la réhabilitation du réseau du bassin de l'OME et du réseau piézomètre du bassin sédimentaire côtier, l'aménagement de 145 hectares de périmètre irrigué en aval des 10 barrages, l'achèvement et la réflexion des travaux de construction de 3 abreuvoirs et de matérialisation du couloir de transhumance. Dans le domaine des mines des hydrocarbures, la poursuite des procédures pour la réalisation des travaux de construction des dépôts de stockage des substances explosives à usage civil, la poursuite et la reconnaissance des gisements de pierres ornementales, la restauration et la réhabilitation de 2 sites de carrière d'exploitation de substances minérales, la dotation de matériel roulant et équipement en vue d'un meilleur suivi des activités minières et pétrolières, la mise en évidence de nouveaux indices d'or et de lithium sur toute l'étendue du territoire national. Le devoir de continuer avec abnégation la mise en œuvre du PAG est donc un impératif pour tous au regard du chemin déjà parcouru. Le budget du ministère de l'Eau et des Mines, exercice 2023, lancé à l'occasion de cet atelier bilan, s'élève à 85 179 817 000 francs CFA. On reste toujours au Bénin, capitale économique. Cotonou est l'une des villes les plus prisées, nonobstant donc ce privilège ajouté à son statut de ville à statut particulier. Tout est loin d'être rose en ce qui concerne l'état de certains axes routiers. C'est le cas de l'axe Carrefour Toyota Étoile Rouge. Reportage Arthur Rwindo. C'est tout un calvaire pour les usagers qui emprunte la voie pavée Carrefour Toyota Étoile Rouge. C'est tellement risqué parce qu'avec les crevasses de cette voie-là, on risque de faire des accidents. C'est dégradé par endroits. Donc, d'abord, je remercie l'effort que le gouvernement fait pour la construction de nouvelles voies dans nos villes. Et je les encourage à penser aussi à aménager celle-ci pour que ça puisse quand même continuer à toujours à nous profiter. C'est une voie est un peu impraticable. Et si vous voyez déjà les efforts que le gouvernement est en train de fournir à réparer les voies, je crois qu'il y en a encore qui sont à désirer. Et nous allons appeler seulement l'attention du gouvernement là-dessus pour que ces voies-là soient quand même réparées pour le bonheur des citoyens. Des chaussées dégradées, difficiles à emprunter. La question préoccupe. Les usagers proposent. S'il peut recharger la voie, ça nous ferait plaisir. Parce que ça va éviter d'autres drames, comme celui de Dassa. Il faut qu'il y ait un comité qui va inspecter les voies pour les petits trucs où les voies sont dégradées par endroits pour s'occuper de à les réaménager afin que nous puissions toujours bénéficier de bonnes voies comme ils sont en train de construire de nouvelles. J'implore tout simplement la clémence des autorités au haut niveau de revoir ces voies-là qui sont vraiment difficiles à pratiquer. Vraiment difficiles parce que ça fait partie aussi des sources d'accidents que nous enrichissons chaque jour que Dieu fait. Les autorités compétentes sont vivement interpellées afin que les peines des usagers soit soulagé.
International à présent, la centrale syndicale tunisienne UGTT a protesté après l'arrestation de l'un de ses responsables faisant le lien avec un discours du président Kais Saied qui a dénoncé une instrumentalisation du droit de grève à des fins politiques. L'interpellation d'Anis Kavi, secrétaire général du syndicat des autoroutes, l'une des composantes de l'UGTT, est un coup porté au travail syndical, une violation des droits syndicaux et des conventions internationales signées par la Tunisie pour le respect des libertés syndicales et du droit de grève, a indiqué l'UGTT dans un communiqué. L'UGTT, présente dans toutes les branches de l'économie tunisienne, revendique 1 million de membres et son rôle dans la transition tunisienne vers la démocratie a été récompensé en 2015 par le prix Nobel de la paix attribué à un quartet rassemblant 3 autres organisations de la société civile. Au Congo, le pape François a exhorté hier à Kinshasa des milliers de jeunes à bannir une nouvelle avenir en prenant garde au tribalisme et en s'opposant à la corruption en République démocratique du Congo. Accueilli au rythme des tambours, des chants et des danses traditionnelles dans le grand stade de Kinshasa, le pape François a invité les jeunes à être acteurs de l'avenir de la République démocratique du Congo. En proie au chômage et à des violences endémiques, le chef spirituel de l'Église catholique a fait une entrée digne d'une rock star au stade des Martyrs à bord de sa papa mobile, saluant et bénissant la foule sur fond d'une sono endiablée. Plus de 65 000 personnes avides de messages de paix ont participé à l'avant-dernier jour de la visite du pape à cette rencontre dans ce pays très catholique rongé par des exactions meurtrières à l'Est. Et puis c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Les formations se continuent sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.